Et yo tout le monde, c'est Aiko, et aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de cette nouvelle série qui se déroulera donc sur le jeu Minecraft, comme vous le voyez ici. Série sur Minecraft un peu particulière, puisque nous serons en hardcore. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire de let's play sur ce jeu en hardcore. Donc on peut pas vraiment dire que ce sera un hardcore, mais bon. Voilà, on va essayer de survivre le plus longtemps possible. Est-ce qu'on se met en amplifiée? Écoutez, peut-être pour la prochaine saison, on se mettra en amplifiée. Pour l'acide, on va mettre 21, 1, 2, 25, 06, 2014. Donc vous l'aurez compris, c'est la date, c'est l'heure et la date à laquelle je crée ce monde. Donc j'espère tomber sur une bonne seed. Donc ça va évidemment ramer un petit peu, comme au début de chaque... Et si je mettais un chrono, moi? Et si je mettais un chrono? Donc, déjà, première chose, nous sommes dans un biome que je n'aime pas beaucoup. Ça, c'est génial. Alors, commençons... Oh, oui, petit lag. Ah, et quelque chose déjà qui ne va pas... Le texture... Ah... Alors, ceci, je vais vous en parler un petit peu après. Le texture pack que vous avez vu, le Pokébox, il s'agit tout simplement de... d'une possible série qui arrivera d'ici quelques temps sur ma chaîne. Je suis très mal installé pour jouer. Série qui arrivera possiblement sur ma chaîne en coop. Le texture pack, vous l'avez compris, vous savez de quel mode il s'agit. Très peu de personnes savent avec qui je vais faire cette série. Je sais déjà, c'est déjà complètement fixé. Reste à savoir comment installer le mode en question sur un serveur et le faire fonctionner, puisque ça c'est une autre chose. Mais je n'en dirai pas plus. S'il vous plaît, si, même si vous avez compris d'où vient ce texture pack, de quel mode il s'agit, ne le dites pas s'il vous plaît. Donc nous avons de la canne à sucre déjà dès le début de 4 de haut, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Des poulpes, et nous avons un biome forêt juste à proximité, donc là c'est pas un souci. On va éviter de courir quand même avant de... avant d'avoir un peu de nourriture et de pouvoir se nourrir en conséquence. Le lit va pas nous servir à grand chose, mis à part à passer la nuit si on n'a pas envie de se frotter aux monstres. Écoutez, achievement get. Déjà, première chose qu'on va faire, c'est poser une table de craft. Se faire une pioche comme dans les débuts de Minecraft et aller vérifier si le son est bon. Et bah écoutez, le son du jeu est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que oui, on va directement partir à la recherche d'une grotte et j'ai des chutes de FPS, c'est absolument génial. Je sais d'où ça vient, excusez-moi. Voilà, ça devrait être bon. Donc partons à la recherche. On va se faire quand même juste une épée en cobble pour pouvoir buter du mob avant de pouvoir partir réellement loin. Donc, continuons. Excusez-moi. Bon, c'est quand t'as vu là. Voilà. Donc, on va récupérer juste deux. Voilà. Oh, allez, vous savez quoi, on va même se faire une pioche avec. Ma nourriture ne descend pas. Et bien, écoutez, je vais pas m'en plaindre. La table de craft est là. On va se faire une petite épée. Voilà, et on va récupérer la table de craft puisque on va en avoir besoin. Non, on va pas courir. J'ai vu des poulets, il me semble, il y a pas longtemps. Par là, non? Poulet. Non. Oh, du charbon, par contre, ça va s'empresser d'aller le récupérer. Je suis vraiment désolé pour ces frises, je ne sais vraiment pas d'où ils viennent. Il n'y en avait que deux. Radin! Bon, ça lui fait quand même 16 bouches 8. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de sauter un minimum. Et on va chercher des animaux. Écoutez, il y a un biome plein. Ça va être parfait si jamais on se fait une maison. Mais on va s'en faire une au bout d'un moment. Merci. Donc on a deux poulets crus. Et ça y est, la nourriture commence à descendre. De la vache, c'est parfait.
Donc écoutez, on a de la nourriture, on se fera de l'élevage plus tard. Pour l'instant, tout ce qu'on veut, c'est un stock de nourriture, le temps d'avoir besoin de faire de l'élevage. Donc on va tout... Tu vas venir là, s'il te plaît? Merci. Et je vais juste essayer quelque chose sur ma nouvelle souris. Non, ça marche pas. Tant pis. Toi, coup critique! Non, tant pis. Bah écoutez, j'aime ce que je vois là-bas. C'est très joli. Ça par contre c'est moins joli ce qu'il y a là. Enfin bon, il y a l'air d'avoir des grottes. Non, j'ai absolument rien dit, c'était même pas une grotte. À la recherche de grottes. Bah écoutez, on peut en voir plein. Ouh, il y a une jolie falaise là-bas. Écoutez, on va pas trop en profiter non plus. Pas abuser des bugs de Minecraft. C'est bien, on trouve plein de poulets. Des vaches aussi, mais écoutez, on va en profiter, on va aller les voir. Bonjour mesdemoiselles. Écoutez, on a bien ce qu'il faut en termes de nourriture. Ça devrait suffire le temps de bien le stuff et de pouvoir se frotter à des monstres. Eh bien écoutez, on va se faire notre petit trou à rats ici. À côté de cette belle montagne. Oh écoutez, vous savez quoi, on va même le faire à même la montagne. Comme ça on aura directement de la pierre. Il y a du gravier à côté, donc écoutez. Oh, du charbon. Eh bien écoutez, c'est parfait. On va s'établir ici. C'est largement suffisant pour l'instant. On va se faire un petit four. Salut. Donc, 8 poulets qui vont cuire. On va récolter. On va récolter ce charbon qu'il y a ici. Alors, pour objectif, évidemment, battre le l'Under Dragon, le Wither également, et également avoir une sorte d'usine à un petit peu tout, faire en sorte que ce monde devienne un havre de paix, on va dire ça comme ça, construire un village, ce genre de choses. Donc les premiers épisodes, j'en suis conscient, ne seront pas intéressants, donc je vous en voudrais pas si jamais vous ne le regardez pas, mais il y a quelque chose... Pensez à regarder, même si ce n'est que en diagonale. Il peut y avoir de temps en temps des petits épisodes bonus où j'invite des gens. Enfin, je sais pas si je vais inviter des gens en hardcore, c'est très dangereux. Ça va être hardcore. Écoutez, on va juste augmenter le toit parce que ça me perturbe. Mais inviter des gens sur un monde hardcore peut être extrêmement risqué. Écoutez, on va aussi également se faire une porte. Je joue à 1.7 pour l'instant parce que je n'ai pas envie de jouer en snapshot. Je n'aime pas l'instabilité des snapshots, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Voilà, on rebouchera ça proprement plus tard. Pour l'instant, voilà, on va se faire quelques torches. Oh, merci. On va mettre une ici. Et on va éclairer un petit peu aux alentours de la maison. Histoire d'éviter que ça spawn trop près de moi. Et on a des moutons. Bah écoutez, on a un lit déjà. Première chose assez cool. On a beaucoup de nourriture également. Et on a une grotte. Et bah écoutez, on ne pouvait pas rêver mieux comme endroit. Mis à part peut-être un mineshaft, mais bon. Ou un donjon à zombies, ou quand même, genre. Ok, écoutez, déjà, on a... Il a pas looté de laine, ah si, elle est là. On a notre lit. J'ai pris de la nourriture. On va partir explorer cette grotte, c'est pas la peine que je pose mon stuff, puisque de toute manière, si je crève, c'est foutu. J'ai cru que c'était de la cobble, et j'ai cru avoir trouvé un donjon dès le début. Ça aurait été assez fun.
Ah d'accord, je suis là. Je suis ici. Écoutez, rien d'intéressant. On va se faire un peu plus de torches. Quand on aura plus de charbon, on pourra se faire plein plein de torches. Mais là, pour l'instant, vous me direz, il y en a là-bas. Mais pour l'instant, on va pas se concentrer là-dessus. Puisque je me doute que vous voulez un petit peu plus d'action. Un plus de risque également. Donc écoutez, puisque le but de Minecraft Hardcore, c'est de ne pas crever, mais de donner quand même un peu de spectacle aux viewers, je vais essayer de. Cette grotte est absolument géniale. De prendre des risques. Pour l'instant, il n'y a pas trop moyen de prendre de risques, donc je suis bien désolé. Ah, la nuit tombe, visiblement. Oui, la nuit est en train de tomber. Oui, la nuit est en train de tomber, c'est bien ce que je dis. Il n'y a vraiment pas d'autres grottes. Parce que celle-là était, comment dire, pas terrible. On va éviter de courir. Autant j'aurais été sur un monde normal, courir, je m'en foutais. Parce que crever, ça avait pas réellement d'importance. Mais autant là, on est dans un monde un peu plus hostile. Là, ça me dérange un peu plus. Donc écoutez, on va creuser par là. On va s'éloigner un peu au cas où on veuille agrandir. Et on va commencer à descendre à la recherche de grottes. Parce que je vais pas miner en minage optimisé. Je vais miner en grotte. Et ce let's play est aussi l'occasion pour moi de reprendre du Minecraft Hardcore et de reprendre du Minecraft Survival. Parce que j'avais pas réellement eu l'occasion de le faire. Depuis un bon moment, j'ai perdu le goût de jouer à Minecraft. En solo, j'y jouais, je me dégoûtais parce que. Ah! Parce que voilà. Et c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est éclairé. Et c'est aussi l'occasion pour moi de m'y remettre, puisque il y a presque un an bientôt. Ouais. Il y a depuis bientôt un an, j'avais lancé une série sur Minecraft Hardcore. Sur cet ordinateur même là, c'était la première série que je lançais sur Minecraft sur cet ordinateur là. Oh. Ouais. Oh, il y en a deux. Il y en a d'autres. Eh bah. Mais qu'est-ce qui se passe par ici, messieurs dames? Oh. Mais que se passe-t-il, messieurs dames? Et là, j'ai fait une énorme bêtise parce que s'il remonte, je suis mal. Vous savez quoi? Et là, putain, c'était peuplé par ici, hein. C'était peuplé, donc je sais plus ce que je disais. Ah oui, il y a bientôt un an, sur cet ordinateur-là, j'avais lancé une série sur Minecraft Hardcore, sur laquelle j'étais morte. Sur laquelle j'étais. J'étais morte, n'importe quoi. J'étais mort, je me souviens plus du tout comment. Mais je me souviens de ma toute première saison de Minecraft Hardcore. J'étais sur l'ordinateur familial, avec un micro pas terrible qui grésillait un petit peu. Clavier pas terrible, commentary pas terrible. Bon, l'ordinateur lui-même était bien, mais j'étais obligé de. Je filmais avec Bandicam, c'est vous dire. Et j'étais mort à cause d'un creeper qui était arrivé au-dessus de ma base. J'étais assez dégoûté. On va poser une torche parce que je ne devais pas voir grand-chose. On va creuser par là. Nous sommes à la couche 51. J'essaie. Merde. Oh merde, je vais complètement oublier ça. Donc écoutez, je vais remonter en surface. En petite ellipse parce que sinon voilà. Oh non, Pyrozef. Je remonte. Me faire plusieurs pioches. C'est moi ou j'ai pris un accent sur. Oh putain, ça y est. Ça y est, j'ai l'accent qui s'intègre en moi. Bonjour, messieurs, dames. Ça farte. On va éviter d'aller se frotter à eux, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour l'instant, on n'est pas assez stuff. Donc, écoutez. Je vais faire quelques pioches. On va prendre la table de craft avec nous.
Et on va remonter, je vais juste prendre un screen des coordonnées. On sait jamais que je me perds en grotte. Charbon, c'est pas trop un souci. Donc écoutez, c'est reparti. Ah, c'est dingue, entre le moment où j'appuie sur F3 et où je n'appuie pas, je perds des FPS. Je suis à 70 et dès que je fais F3, je passe à... Ouais, c'est pas flagrant non plus. Nos premiers fers. Eh ben écoutez, c'est parfait. Oups là. Comment je me déroule? Bon, pire, je suis pas en ultra hardcore. Vous savez, j'ai tellement l'habitude de jouer à Minecraft en ultra hardcore maintenant avec l'arrivée des KTP like de Guild que... Du coup maintenant... Bonjour monsieur. Oh, je crois que j'ai trouvé un mineshaft. Ouh, t'as un arc enchanté toi. Oui, j'ai trouvé un mineshaft. Ben écoutez. C'est parfait. Histoire juste qu'il n'y ait pas d'araignée empoisonnée. Ouh, bonjour monsieur. Salut. Par contre, j'aime pas les FPS là que j'ai là. Je rame. J'aime pas ça. Donc, enfin bref, récupérons le fer. J'en ai combien? 6. J'espère juste ne pas mourir premier épisode, ça serait bête. J'ai enlevé le F3 parce qu'il doit certainement vous déranger. On va récupérer le fer ici. Je crois avoir entendu un Enderman. Je suis pas sûr, mais je crois avoir entendu un Enderman. J'aime pas trop la position, la structure de cette grotte. Déjà 16 minutes de vidéo, et bien écoutez, ça passe vite. On a pas plus, non. 18 fer, bah écoutez, on approche bientôt du full stuff fer. Encore du fer ici, mais dis donc, mais cette grotte elle est bien garnie, dites-moi. Si seulement je pouvais tomber sur une grotte comme ça pour la saison 5 de MUH. Parce que oui, pour ceux qui ne suivent pas la chaîne de Guy, et de ML2J, je sais pas s'il participera à la saison 5 ou de ML2J ou de toutes les personnes de ce genre là. Je n'ai posté que la saison 3 de MUH. Saison 3, MUH, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo? C'est tout simplement une... vous connaissez forcément Kill de Patchwix. Bah, c'est exactement la même chose, mais avec un groupe d'amis. C'est donc Guy, l'organisateur de... Bah, de cette série qui, ma foi, est très sympa. Puisque bah, c'est un KTP tout à fait normal et que... Enfin, tout à fait normal. Avec quelques modifications de la part de Guild, je me souviens plus mais lesquelles, mais je sais qu'il en a fait. Et bien, la saison 3, c'est la saison que j'ai gagnée. Tout simplement, la saison, vous pouvez voir sur la chaîne, que j'ai gagnée de manière assez spectaculaire d'ailleurs. Je vous invite à aller regarder si vous ne connaissez pas. J'ai eu beaucoup de chance, hein, je tiens à le dire, j'ai eu beaucoup de chance. La saison 4, je ne l'ai pas publiée. Puisque j'ai fait énormément de la merde. Surtout parce que c'était... J'avais des problèmes de FPS à ce moment-là. Écoutez, on va récolter ça. Je blablate en même temps de miner. Et il y a eu une série T-Phoenix vs Guild, mais qui ne paraîtra pas à cause de... Bon, je vais pas vous cacher, on a quelques problèmes avec lui. Ça réglera peut-être un jour, ou peut-être pas d'ailleurs. Ça reste à voir avec lui. Je vais pas en parler plus que ça parce que... J'ai pas trop envie d'empirer la situation, j'ai pas trop envie de l'arranger. Enfin, ça finira par s'arranger un jour. Je vais pas rentrer dans les détails. Et bien, la saison T-Phoenix vs Guild, on avait bien géré, mais le problème est que c'était faussé puisque Phoenix n'a pas un PC assez performant pour tourner sur Minecraft. Son PC est très bien, je tiens à le préciser. Il est presque plus de FPS que moi sur Minecraft. Mais en record, son ordinateur a du mal à tenir le... Bah, frappe, tout simplement. Il a du mal à le supporter. Et du coup, bah, il a décidé de ne pas le publier. Donc, reste à savoir si ça sera retourné un jour, si jamais les problèmes
entre Phoenix et notre clique seront réglés. Peut-être un jour, on ne sait pas. Donc enfin bref, je continue de parler, mais on a déjà 37 de fer, je m'en étais pas aperçu. Et bah écoutez, on va se faire un full stuff fer et on va se laisser ici. On va faire un max de four possible, allez 5. Je divise ça, 1, 2, 3, 4, 5, c'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5. Pour économiser tout simplement, enfin pour accélérer la vitesse de cuisson, vous pouvez faire comme ceci. Et puis je vais continuer à miner en attendant. Et du coup, premier épisode, nous serons déjà full stuff faire. C'est quelque chose de vraiment bien. Oui, il y a vraiment plus grand chose à explorer dans ces grottes. Donc, récupérons notre fer qui, vous voyez, du coup, là, ça cuit beaucoup plus vite. Donc, si vous êtes en Hunger Games, c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est de mettre plusieurs fours et vraiment diviser le fer que vous mettez à cuire de manière à ce que ça cuise beaucoup plus vite. Vous voyez, c'est la vitesse de cuisson est du coup assez impressionnante. Et nous ferons également une usine à... Non, pas un minecart, merci. Une usine à four, ce que je veux dire par usine à four, c'est tout simplement vous mettez vos items dans un coffre et ça cuit tout seul, tout simplement, ça vous amène tout dans un coffre. Donc, on verra ça plus tard quand on aura beaucoup plus de ressources et qu'on se sera établi. Là pour l'instant on est en train de se stuffer, donc on récupère, je finis de récupérer tout le fer et je pense qu'on va se laisser ici. Je vais remonter en surface, je vais peut-être miner hors caméra, c'est possible. Meilleure caméra, je filmerai si jamais je venais à mourir. Si jamais il se passe rien, je mettrai rien du tout. Et donc bah écoutez, nous avons déjà fini de faire cuire tout le fer. Nous avons notre full stuff que voici. Je vais pas me faire une épée en fer parce que moi j'en vois vraiment pas l'utilité. Je préfère rester à l'épée cobble pour économiser le fer pour l'enclume. Je vais remonter. Bon, même on va se laisser ici. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans la champignon. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans la zone de commentaires. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde, c'était Aiko.